来るの地である死ぬ身同士すり。ティメキホミベ今むべる北に見ろスムルベゼモス絵と見ざがるてラドイミキロウド必殺とてすらみ不法きとにゃじらじりかはいThank you.
Nefra. Thank you.
レズラ。長いマガド・アリベ・イニギーラ・ユリ・レモーラ・シタル・シーハみんな主だ長いマガド・アリベ・エクシネーテハオル・リオス・ビキム・ラトラ・メクボーシ・ディス・ルーハ・ポラルースタトゥーイレハダーチエシランミトゥジシドダラルスミトゥテトゥロイオリトゥダーチアメラクシーディアミベータイアムトゥダミーダユースメキラージュラレソシポダテミゼユリテガーラカムラミーハーエミーのルラーシュニューラースティッシーゼキアベローアニトイラハエリミチオメミーギーレアドダミレマガイマガドドダマクセサンベラールミーピアラララミメロエティリラギムデスーマジバイギール。リーミー。カムラシジーガーミラリービーラ。マガイマガドベシモゲオラトゥニュー。リーガフィエ。スワネリ・リタニュービー。リ。ラール・ローゼリー
Refrayons. Oui, c'est la fin. Enfin, c'est la fin.
En fait, ils ont mis un ending assez imposant. Assez tôt dans le jeu, en fait. Alors qu'en vrai, le village, j'ai pas fait toutes les quêtes, le HR, j'ai rien fait. Je pense que c'est le. MHR sera le Monster Hunter où je vois le plus vite un des endings. Parce que. Alors là, je pense qu'il y en a qu'un seul. Mais. Ça reste bizarre parce que même World, il fallait quand même entre 30 et 150 heures. Mais comme je disais, bah en fait, il n'y a pas d'histoire. Donc t'as pas de cinématique, t'as un peu de narration via les dialogues. Mais c'est pas du tout l'histoire, on n'est pas là pour ça. Hein. Ah, tu viens de lancer le Lagombi, il est marrant le Lagombi. Ah, tu verras, il y a quelques monstres sympas là. J'ai affronté un nouveau monstre. Il était particulier, quoi. Il fait des trucs. Ah, tu rends juste des courses. Bah moi, j'ai attaqué mon stream un peu plus tard parce que j'avais pas mal de trucs à faire aussi. Mais j'ai quand même eu le temps de finir au moins ça. Donc maintenant, ouais, je pense que je vais tout d'abord compléter les quêtes du village. Histoire de que tout soit propre. Puis après, il passera au high rank. Enfin, au high rank. Au multi, en fait, avec d'abord le low rank et ensuite le high rank. Ah mais moi aussi je vais faire les quêtes du village. Il m'en manque pas tant que ça en vrai. La diff avec le hub, bah, c'est que t'as des quêtes en fait. Tu y as jamais été dans le hub? En fait t'as des quêtes. T'as des quêtes low rank et high rank, mais elles sont différentes. Alors c'est les mêmes monstres. Hein. Enfin je pense qu'il y a des monstres supplémentaires. En général ils mettent des monstres en plus. Enfin surtout dans le high rank qui va. De toute façon il y a plein de monstres qu'on n'a pas vu, on sait qu'ils sont dans le jeu. Tu vois, t'as le Xenor, t'as le Rajang. C'est juste que c'est d'autres quêtes en fait le hub. Mais à la base elles sont plutôt faites pour être faites en multi. Mais étant donné que tu peux les faire aussi en solo, c'est vrai que c'est un peu marrant d'avoir fait la distinction. Mais c'est parce que ça vient de la distinction des anciens Monster Hunter. C'était comme ça en fait. Il y avait le village et le multi en fait. Le hub. Mais cette démarcation a plus vraiment de. Aujourd'hui, vu comme le jeu est fait, a plus vraiment de sens. Comme on dit souvent dans un Monster Hunter, c'est vraiment maintenant que le jeu commence. Et alors en plus, ouais, ce que je disais. Tout à l'heure, ils ont même mis un système de licence, alors j'imagine que ce sera traduit par permis en français, qui permet de faire monter le HR en fait. Le HR en fait, c'est ce que tu fais monter quand tu es dans la partie multi. C'est le Hunter Rank. Le rang chasseur en français, le RC. Je sais pas si c'est dans ces permis les quêtes sont plus difficiles, j'ai aucune idée. Je sais pas comment ils ont fait ça.
Yasunori Ichinose. Il te met ton Hunter avec cette nuit. Ah. Il y a déjà des quêtes 5 étoiles. Donc, qu'est-ce que c'est ça comme reward? Je sais pas ce que c'est. Design. Complète 8 side quests, il m'en manque que 3. Ouais. Ah, ailleurs, 15 buddies. Ok. Bon, ça, ça manque juste du pognon, hein, c'est pas. Étant donné que tu manques pas vraiment de pognon. Camorak Ticket, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est un ticket qui peut être utilisé à la forge, qui est donné de temps en temps. Il nous en donne 5. Le pouvoir d'achat. Voilà, toutes les quêtes qui vont s'ajouter après. Elle a encore besoin d'ingrédients. Oh, c'est bien, il y a encore plein de trucs à faire. Hein. Sans parler encore du multi. Oh, c'est une quête de... C'est une quête de... Transport des œufs. Design pour une charge blade. Ah bah j'ai déjà ce qu'il faut là. Ah bah là aussi du coup. Elle veut nous parler de nouvelles quêtes. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gas ringed. Ouais, donc là le gas ring, t'as tout un tas de quêtes, tu vois, si tu vas au gas ring. Voilà, tu repars avec level 1 étoile, et ainsi de suite. Des tours d'expédition, puis voilà. C'est reparti pour un tour, en fait. C'est dans un deuxième jeu, dans le premier jeu. Mais à la base, c'était démarqué parce que ces quêtes, bah, les monstres étaient designés pour affronter plusieurs adversaires, plusieurs joueurs. Ce qui n'est plus le cas maintenant.
Je viens d'avoir une nouvelle destination. Ok, du poisson rare. Quelques peuples, ils sont tous niveau 1. Oh, c'est eux qui sont redescendus niveau 1. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Il y a Ray qui est niveau 4. On peut pas lui demander de scout à un niveau défini. Peut-être y aller après chaque quête, il a peut-être des propositions différentes parce que là. Ouais, tiens, je vais prendre celui-là. Alors là, les palicots, c'est vraiment pas ouf. Hein. Je vais prendre un autre. Attends, est-ce qu'on peut l'ajouter au training? Ils ont peut-être fini, là. Je vais peut-être sortir les deux level 7, là, du training. Si on va faire d'autres choses. Enfin, les deux level 8, pardon. Donc il doit falloir faire une side quest pour débloquer le dernier sous-marin. Je ne sais pas encore trouver lequel. Alors, le Magnamello, qu'est-ce qu'il donne? Moi, j'imagine qu'il donne du super équipement. Alors, voyons voir. Resentment. Counter-Strike. Ouais, alors, à part Counter-Strike, le reste, c'est pas ouf. Bon, là... C'est celle qu'on avait dans la démo, hein, je crois. C'était pas ouf, hein, comme... Bon, je pense que c'est plutôt les armes qui vont être intéressantes. Fur la LS. Je crois que ces armes font du blast. On verra, elle est où la ligne du Magnamello. Toujours même pas. Ah oui, puis lui, tu les fais direct, les armes. Ah ouais, oh, pff. Centre. Bon, il va falloir farmer du Magnamello, quoi. Ça va être ça, l'objectif. Alors, les Dual Blade de Blast, c'est pas ouf, en règle générale. On s'est pas dit que ça soit pas le cas, ici. Hein. Ah ouais, pff. Bon, ok, quoi, il va falloir passer un peu de temps sur le Magnamello pour se mettre bien. Il y a peut-être une bonne Switch X là, enfin. Ah ouais, une Power. Oh, elle est pas super jolie.
Mais bon. Du coup, j'imagine qu'à chaque fois, il faut des plates. Je peux vérifier. Ah non, il faut pas de pièces trop rares. Shell, ça va être les pièces les plus communes. Blades, cute et gosse. C'est pas ça, c'est marrant. Il y a pas de, il faut pas de plate pour ça. Peut-être pour son évolution, sans doute. Putain, c'est une longue. Ah. Peut être cool ça. Hein. Après une longue, par contre, il faudrait. Putain, je sais plus quel skill il faudrait pour jouer. Hein. Déjà, il faudrait peut-être bombardier pour faire plus de dégâts avec le blast. Je me souviens plus des skills qu'il faut pour la. Ah, GG. Frère. Ah, il a peut-être une bonne hunting horn aussi. Putain, ça a l'air stylé ça. C'est quoi ça? C'est le. Putain, je sais pas c'est qui. C'est qui donne ça? En tout cas, ça a l'air bien. Ouais, parce que putain, 130, elle fait de la para. Ah, par contre, elle a pas attack up. Elle, elle a attaque et défense up. Putain, elle est stylée aussi. Petite guitare. Ouais, c'est cool, on va pouvoir jouer d'autres armes. Faire le GS. Parce que GS, c'est pareil. Hein. Putain, j'ai pas regardé, mais GS, ça avait pas l'air d'étouffe hein, jusqu'ici. Hein. Ah, si, y a celle du... ah, si, y a peut-être celle du Tétranadon. Ah, non, celle de l'Acno... Putain, celle de l'Acnosum, on dirait une épée de... Ouais, évidemment. En plus, elle est stylée. Hein. Bon, dans un premier temps, ça va être des armes de Magnamalon. Hein. Et ben voilà, je vais m'en arrêter là pour le moment.